Donc aujourd'hui, on a réalisé une glace avec les ingrédients d'Armor Protéines, les lactars mangés. L'intérêt de ces ingrédients est économique, mais également fonctionnel. On se rend compte qu'on a une très bonne solubilisation de ces ingrédients lors de leur mise en œuvre. Ensuite, on a une pasteurisation et une homogénéisation qui se déroule tout à fait convenablement, sans avoir coagulation de cet ingrédient. Et on a également en sortie refroidissement un produit nappant qui a une texture recherchée pour la glace. Concernant le produit sorti freezer, Carpigiani, on a un produit qui va avoir une texture très bonne, sans avoir les off-notes liées à la matière grasse. Les industriels fabricants de glace doivent prendre en compte un certain nombre de problématiques concernant leurs produits finis. Les produits doivent avoir une texture lisse, homogène, sans cristaux de glace. Donc là, on a une bonne onctuosité en bouche et on a surtout une très bonne longueur. Donc ce qui est important aussi dans ce type de glace, c'est de retrouver vraiment les notes laitières et de ne pas avoir de notes de type matière grasse végétale qui viendraient donner des défauts aux produits. L'utilisation des lactoremplaceurs dans la formulation apporte une solution intéressante à ces problématiques.